Arrêtée à Paris devant l'église Saint-Germain-des-Prés, une demoiselle l'ensalée, adepte de la bicyclette, est condamnée à huit jours de prison ferme pour « outrage public à la pudeur dans des conditions toutes nouvelles » imaginez. Elle chevauchait son vélo, les jupons retroussés, sans pantalon, avec aux jambes de simples chaussettes. Mais les femmes honnêtes en montent bien davantage sur les plages, a plaidé la Défense oui mais sur la plage elles ne font pas de bicyclette or le vélocipède est accusé par la faculté de détourner les femmes du devoir conjugal en les précipitant dans une surexcitation lubrique et un accès de folie sensuelle dixit le docteur o'followell dans son best-seller bicyclettes et organes génitaux autrement dit le vélo détourne les femmes du devoir conjugal et patriotique. Car, tout le monde le sait, les bébés d'aujourd'hui sont les troufions de demain et la chair à canon d'après-demain. Mademoiselle Lansalet est condamnée en 1898. Les juges et les médecins ont ainsi mis le haut-là à cette dérive décadente. Fort heureusement, on ose imaginer ce qu'aurait été le spectacle de nos rues un siècle plus tard.